Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Magie Jazzy, c'est tous les samedis, c'est 19h et c'est maintenant. Aujourd'hui, un thème que j'adore, que j'apprécie énormément, qui sont les voyages, les transpositions. Pour l'illustrer, un tour issu du livre Mélodie de Jean-Pierre Valerino. Ce monsieur que j'apprécie énormément a découvert mon travail aussi, on se connaît maintenant, on est en contact. Il a beaucoup aimé Tricheur, d'ailleurs il l'a découvert à Saint-Malo et je le remercie, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose un tour de Jean-Pierre qui s'appelle donc Reset. C'est un reset. Alors les resets, il y en a une multitude. L'origine exacte, ça remonte à très très loin. En tout cas, celle-ci, cette version est dans le livre de Jean-Pierre. Et puis, je vous proposerai juste à suivre, moi, une version que j'ai trouvée aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et surtout un bon visionnage. Quatre as et quatre dames. Les dames et les as dos à dos comme ceci. Si on contrôle bien, les as sont vraiment dos à dos avec les dames. On dépose les dames sur la table, on garde les as. Le truc étant de faire voyager les dames à la place des as. Eh bien, c'est déjà fait. Voici les dames et sur la table, bien sûr. Voici les as. Quatre as, quatre dames. Souvenez-vous, dans ce tour, les dames sont face en bas et les as sont face en l'air. Les cartes sont donc dos à dos. C'est vraiment la position dans ce tour. On dépose les dames sur la table. On a donc ici les as. Mais souvenez-vous, le truc c'est de faire voyager les dames à la place des as. Les dames sur la table, les as ici, et pourtant, si vous avez regardé, les as sont passés ici et les dames là.